Les derniers réfugiés ukrainiens hébergés à bord du Méditerranée obligés de quitter le ferry aujourd'hui. Le navire mis à leur disposition par la Corsica Linea doit reprendre du service pour la saison estivale. Lola Baye a pu suivre ce matin une famille de réfugiés qui a pu être relogée dans un appartement du 8e arrondissement. Ce sont ses premiers pas hors du Corsica Linea. Après 2 mois, Christina, réfugiée ukrainienne de 29 ans, vient de quitter le navire avec sa famille. Un soulagement. Ce n'était pas une mauvaise expérience. On avait un endroit pour dormir, pour manger. Mais c'était dur car ma fille doit aller à l'école. J'ai un emploi. Ma fille était très anxieuse. Je ne pouvais pas quitter Marseille comme ça. Direction le 8e arrondissement où la mère de famille découvre avec enthousiasme son T1 de 39 mètres carrés pour 3. C'est génial. Cool. 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 Elle peut enfin avoir de l'espace pour décharger ses 3 valises et ses sacs et regagner un peu d'intimité. C'est mieux que sur le bateau. On était dans de toutes petites cabines. On était à l'étroit pour 4 personnes. On n'avait pas de place pour tous nos habits. Ici, c'est beaucoup mieux. L'heure est désormais à la reconstruction pour Christina. Liberté ! Avec forcément une pensée pour son père resté en Ukraine, la jeune femme a déjà trouvé un travail. Elle commencera en tant que serveuse dans la restauration dès le week-end prochain.